Et oh, on va voir ce qu'il y a de nouveau. Merche à gogo. C'est parti. Allons-y. Un nouveau Launchfly Pixar, ici, qui est dans la boutique Disney Store, dans le Disney Village. Pour le moment, au jour où on filme cette vidéo, on l'a trouvé que dans cette boutique-là. Ouais, c'est vrai. Il est tout en sequin sur la poche avant qui est toute ronde ici. Ouais, c'est particulier, bon, pourquoi pas. Il est rouge, sinon avec l'effet faux cuir, simili-cuir, assez souple. Et une particularité, c'est qu'il a trois poches. Regardez, une poche ronde et puis deux poches ici, latérales. On va essayer de vous montrer à l'intérieur si on peut. Et dans l'arrière. Le dos, rien de particulier. Voilà, on vous montre tout ce beau sac. Si vous aimez hein, la balle Pixar. C'est un peu voilà. Les couleurs de Pinocchio, on dirait, hein, quand même. L'intérieur ici, c'est la petite balle imprimée. Voilà, qu'on voit plusieurs fois. Et qui est répétée dans tout le sac à dos. Hein. C'est le même intérieur partout. Là, on ne peut pas ouvrir la deuxième parce qu'il y a l'antivol. La troisième, donc la dernière qui est la grande poche principale. Bon, c'est pareil, hein, vous voyez, il y a des petites balles. Et est-ce qu'il y a une poche à l'arrière dedans? J'ai pas l'impression, non. Mais bon, en tout cas, il y a trois poches. Le voici à la lumière pour que vous puissiez mieux le voir. Nous sommes dans la boutique Star Traders pour découvrir la nouvelle collection Star Wars avec Launchfly, Spirit Jersey, Ears. C'est parti! C'est la collection de la planète Tatooine, vous l'avez sûrement reconnu. On commence avec le Launchfly qui est au prix de 90€. Un Launchfly qui est couleur chocolat. Voilà, chocolat, un peu crème aussi. Alors chocolat, je dirais même taupe. Donc c'est taupe. Avec la plaque aussi. Vraiment, on a envie de la manger. Ouais, et il y a des broderies hein, dessus. Là, on peut voir. Bon, moi, j'y connais rien. Je suis c'est pas les fan. Lunes, les lunes de Tatooine, on voit ici. Et vous voyez le décor de Tatooine avec les abris des paysans qui sont ici. Il est assez simple, mais en même temps, il y a du détail. Hein, et les fermoirs aussi sont couleur cuivre. C'est rare d'avoir des Launchfly avec ces couleurs d'habitude, cuivre. D'habitude, c'est doré, ouais. Très joli. On vous montre à l'arrière, on a le petit logo Star Wars qui va bien. Du XS au XL au prix de 80€, on a le Spirit Jersey Tatooine ici avec en flex les deux lunes. Le décor de Tatooine qui est en imprimé et dans le dos ici, le logo Star Wars en flex. Le petit décor de Tatooine et puis ce dégradé en couleur un peu marron très clair. Très clair, ouais, presque un peu crème. C'est très terre quoi, c'est très Tatooine, terre, hein. Ouais, c'est vraiment bien réussi terre, ces couleurs. Ouais. Elles sont au prix de 40€, les Ears Star Wars Tatooine, avec ce nœud ici qui est en espèce de velours brillant. Donc c'est très joli. Le Star Wars, il est brodé ici. On retrouve aussi donc là le paysage. Tatooine, la planète Tatooine ici. Voilà. Les deux lunes qui sont brodées aussi. Le décor aussi toujours brodé. Et l'arrière de ces Ears, rien de particulier. Voilà, et il y a la plaque, ça justifie on va dire entre guillemets le prix, parce que c'est des Launchfly. Donc c'est vrai que c'est un peu élevé, mais c'est des Launchfly. Au prix de 40€, cette sacoche Dark Vador. Avec la lune noire en ballon, c'est très rigolo. Et Dark Vador en version un peu baby. Original. Ici. Donc elle est toute noire, deux fermoirs couleur argent sur les côtés. Vous voyez, donc il y a de quoi mettre un téléphone et des petites poches intérieures pour mettre ses cartes, son passe annuel si vous en avez un. Donc là, on dit maintenant. Donc là, son téléphone par exemple à l'arrière, c'est plus pratique je pense. Enfin, vous faites comme vous voulez hein, bien sûr. Voilà, et là, la lanière qui se porte en bandoulière ici, vous voyez. Donc pour cette sacoche, 40€. Incroyable mais vrai, toujours dans la boutique Star Traders, nous avons ces tongs qui viennent de sortir. De l'attraction Star Wars Hyper Space Mountain, elles sont vendues au prix de 20€, disponibles dans les tailles du 36 au 43. Elle est vendue dans la boutique Mission Equipment du Campus Avenger ou à l'entrée d'ailleurs du campus. La nouvelle casquette web qui est rouge comme vous le voyez et qui est respirante au prix de 22€. Regardez l'arrière tout enfilé, respirant, la petite lanière réglable ici. Il me semble que c'est un retour, hein. On l'avait déjà vu quand elle est sortie, quand le land est sorti. Dites-le nous en commentaire, ouais. Moi je l'avais vu en gris uniquement. Ah, et pour moi je la découvre, mais voilà, cette casquette avec le flex au-dessus, le silicone, impression flex sur silicone, sur la face avant de cette casquette. Au prix de 25€, il est toujours disponible le bob réversible rouge ou avec l'imprimé The Spider-Man de l'attraction web. Il y a même le petit robot, hein, la petite araignée. Là. De retour en stock à 40€, la figurine Spider-Man interactive. Voilà, avec du son et fonctionnalité, comme c'est écrit sur la boîte. Il y a des boutons donc pour
des phrases du personnage ou des lancements de toile. Et puis vous avez deux Spider Boots ici inclus avec ce Spider-Man. Elle est vendue au prix de 40 euros, la peluche lestée Simba, ici tout en bouclette, avec une poche amovible de lest qui fait 1,1 kg. Donc c'est une peluche qui sert à vous détendre ici. Vous pouvez vous la mettre sur le dos, sur le ventre, voilà, ou la laisser tout simplement poser aussi. Oui, en décoration. Elle est plus jolie en fait en vrai. Hein. Plus jolie en vrai. Vous voyez les couleurs ici qui sont jaunes. Avec la petite bouclette, donc elle est très très douce. C'est un jaune un peu Winnie, non? Exactement, ouais, c'est un petit jaune Winnie. Avec son donc petit 40 nez, euros, les 40 cm. Et son petit nez rose, il est un peu rose comme Coco Lapin. Et au prix de 50 euros, vous avez aussi la Cuddly Simba version, donc Cuddly, toute douce, toute molle, qui dort. Et la géante Simba à 90 euros, voilà, qui n'est pas lestée. Non mais elle est quand même, elle passe son poids. Oui, elle est grande. Hein. Et si vous préférez ce qui est petit, ce qui est mignon aussi, c'est au prix de 12 euros le petit Simba. Au prix de 35 euros, ce set de figurines du Roi Lion. Il y a 8 figurines sur socle. Après, il y en a plus. Hein, si on les compte, par exemple, là où il y a Simba, il y a Zazu. Il y a aussi les 3 hyènes, par exemple. Voilà, donc c'est la version de luxe, hein. Donc ce sont vraiment de très très belles figurines. Au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes à l'Emporium, donc 35 euros. Ce set de figurines qui est sorti pour les 30 ans du Roi Lion, il est aussi disponible dans la boutique de la Girafe Curieuse. Alors c'est des poupées qu'on connaissait ici, elles sont vendues au prix de 20 euros. Ici on a Belle, en version qui tourne et qui tourne et qui tourne, regardez. Démonstration. Et ça s'allume, regardez. Et en plus, c'est pratique pour l'été parce que ça fait un peu ventilateur, non, je présente. Voilà, 20 euros et on est dans la boutique de la chaumière des 7 nains. Dans la collection Stitch Attack Snacks, eh bien, on a 9 peluches de Angel qui vont sortir. Ça, c'est la première. Elle est au prix de 35 euros et on la trouve pour le moment dans la boutique chez Marianne dans le Walt Disney Studios au moment où on tourne cette vidéo, mais elle va sûrement être dans d'autres boutiques aussi. Regardez tous ces détails, elle est sur le thème de la sucette avec la tête de Mickey. Bonne petite sucrerie, elle donne envie en tout cas. Voilà pour cette peluche Angel. La quatrième de la collection, Stitch, sur le thème de la sucette aussi comme Angel. Mais là on est dans la suite de ces 12 peluches de collection autour du food. Avec Stitch toujours qui cligne de l'œil, cet imprimé donc qui est le même que sur la tenue d'Angel avec les sucettes de Mickey. Voilà, 35 euros aussi. Vous retrouvez aussi ces peluches Stitch Angel dans la boutique World of Disney du Disney Village. La princesse Aurore, la belle au bois dormant, à 200 euros dans la boutique Harrington en version Jim et Shore. Voilà, donc imitation bois, hein, je pense que c'est une imitation. C'est très très bien fait, il y a des strass dessus. Alors sa robe, elle est plutôt mauve, hein, donc elle est ni rose ni bleue. Il y a un peu de bleu quand même, hein, mais elle est principalement mauve. Elle est assez grande. Pas combien elle doit faire, 40 cm de haut, hein, ah oui, entre 30 et 40 cm avec le petit oiseau sur le panier, très joli. Les petits détails de cette statue donc disponible dans la boutique Harrington. Sur cette affichette, donc on apprend que c'est à l'occasion des 65 ans du film d'animation, donc c'est pour célébrer les 65 ans que Jim Shore a créé cette figurine. Des nouveaux pins dans la collection Clochette ici sont sortis avec des ailes transparentes, c'est plutôt sympathique. 9 euros ici pour ce premier pins. Une autre position de Clochette avec un regard particulier, regardez avec sa mèche, au prix de 9 euros aussi, toujours avec ses ailes transparentes. Un troisième à 9 euros, Clochette, avec cette belle attitude quand même, très printanière, hein, ouais, la couleur. Elle est très assurante. Hein. 9 euros. Et ce dernier modèle est au prix de 12 euros ici, avec ce petit regard, ces jolies petites couleurs. C'est sympa les ailes, hein, transparentes comme ça. Ouais, ça change. Au prix de 16 euros, la lanière ici, porte-badge avec deux petites breloques, bobines et une fleur. Et puis la lanière imprimée avec des fleurs et clochettes que vous voyez dans différentes attitudes. Voilà, et c'est pas en édition limitée, hein, c'est en open édition. Ces pins, on les a trouvés dans la boutique Emporium à Disneyland Paris au moment où on tourne cette vidéo. Il est vendu au prix de 39 euros, le suite web rouge zippé. Avec son logo web ici, qui est en noir, hein, flex, floqué, velours noir et du flocage blanc en dessous.
va vous montrer la capuche. Hein. Donc l'intérieur c'est bleu. Voilà, le dessous c'est bleu, blanc, rouge. Voilà, très, très joli. Et dans le dos, on a un joli Spider-Man. Voilà, le Spider-Man, toujours le même flocage en velours noir. Donc attention au lavage, hein, le velours noir c'est très compliqué. Ouais, peut-être à froid, je pense. Au niveau de l'entretien. Laver à froid. Mais très très joli. Voilà, il y a un imprimé aussi, hein. C'est imprimé, c'est aussi du flocage. Retour au stock de la peluche aimantée du vampire Teddy Bear, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, The Nightmare Before Christmas, qui est dans la boutique Emporium au moment où on tourne cette vidéo pour donc ce retour en stock. Au prix de 16,95€, des livres illustrés avec des couvertures en tissu, avec la petite sirène et Blanche-Neige et les sept nains. Avec cette jolie dorure que vous voyez, il y a même des personnages qu'on voit. Il y a vraiment du détail. À l'intérieur du livre, vous avez des images, des illustrations avec Blanche-Neige, regardez. Il était une fois, non, on va pas vous raconter l'histoire, bien sûr. Mais vous avez donc toute l'histoire, on va pas spoiler la fin si vous l'avez jamais vue. Évidemment. Évidemment, mais regardez ces illustrations, comment elles sont magnifiques, on voit des esquisses même. Très beau livre. Maintenant, on vous montre la petite sirène, regardez. Nous sommes dans la boutique Harrington au moment où nous filmons. Voilà, c'est au prix de 16,95€. Bon, comme on disait, on va pas spoiler la fin de l'histoire, mais que vous connaissez certainement. En tout cas, à la fin du livre, regardez, vous avez donc l'histoire de la création du long métrage. Par exemple, là, c'est le livre de Blanche-Neige et les sept nains. Donc, vous avez sûrement la même chose pour la petite sirène. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous avez également le nom des artistes qui ont participé, donc des animateurs qui ont participé à ce film. À la fin, vous avez aussi un glossaire, donc un lexique. Vous pouvez apprendre des mots. Au prix de 15€, ici le mug Animator, on a Clochette avec le fond vert, elle est signée Clochette, fait Clochette à l'intérieur, regardez l'autre côté, fait Clochette Baby. Baby, c'est mignon, regardez ces détails aussi là en fond. On enchaîne avec Belle ici, toujours version Animator au même prix. Ce sont des mugs qui sont compatibles micro-ondes et lave-vaisselle. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Ces mugs, nous les avons trouvés à World of Disney, dans le Disney Village. Dans la boutique Disney Fashion, moins 50% ici sur un t-shirt Marvel. Tous les t-shirts qui ont une pastille bleue en fait sont remisés à moins 50. Ici, disponible de la taille S au double XL à 26€. Le t-shirt imprimé Black Window, il est à moins 50 jusqu'au 30 avril. De retour en stock au prix de 7€, le porte-clés Star de Wish. On a aussi Coco qui est de retour au même prix, 7€. Vous avez d'autres porte-clés en silicone disponibles. Là, nous sommes dans la boutique Emporium à Disneyland Paris. Il est disponible au prix de 8€, le stylo 4 couleurs d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, comme on vous l'a présenté dans une vidéo précédente. Disponible dans la boutique Emporium. Au moment où on a tourné cette vidéo. Et voilà pour les nouveautés de la semaine. On espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à la commenter, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire, et à vous abonner.